C'est Sian Lemoine, ingénieur hydrodynamique, et Hugo Youssouf Lacour, ingénieur R&D dans les énergies marines renouvelables. Travaillent tous les deux chez Doris, qui vont nous présenter les innovations technologiques pour optimiser le coût du SWAC. Donc, ils ont réalisé ces études également dans le cadre de l'Euro SWAC. Je vous laisse prendre la parole et partager votre écran. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Tac. Hop, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, très bien. Alors, donc bonjour. Moi, c'est Siane Lemoine de Doris et avec Hugo Youssouf Lacour, également de Doris, on va vous parler de deux possibilités de réduction des coûts pour les systèmes SWAC. Donc, comme l'a dit Marin, ces deux pistes prennent la forme d'axes de recherche et de développement dans le cadre du projet EuroSWAC, qui est financé par l'Europe. Hop là. Donc, pour commencer cette présentation, nous allons d'abord brièvement vous parler du contexte économique propre au SWAC pour pouvoir ensuite justifier pourquoi nous nous sommes lancés dans l'étude des deux innovations techniques qu'on va vous présenter. Donc, la première innovation consiste à utiliser un tuyau flexible pour une section du tuyau d'admission du SWAC. Et la deuxième innovation, qui vous sera présentée par Hugo, porte sur la méthode de protection des tuyaux en eau profonde. Donc, le concept novateur est d'enterrer les tuyaux par un système d'auto-enfouissement. Donc, très rapidement, parce que vous avez déjà vu cette slide, donc, en termes d'aperçu chiffré pour le marché du SWAC, on estime que la consommation mondiale liée à la climatisation est équivalente à la production d'environ 300 réacteurs nucléaires. On projette que d'ici 2050, les besoins énergétiques liés à la climatisation seront les deuxièmes plus importants après le secteur industriel. Et enfin, on sait qu'à peu près 10% de la population mondiale vit à quelques kilomètres de la côte. Donc ces chiffres montrent qu'il existe une réelle opportunité commerciale pour le système SWAC. Et donc actuellement, l'obstacle majeur au développement du SWAC est son besoin en CAPEX. On relève notamment le coût élevé des matériaux utilisés pour la conduite, les méthodes de protection en approche du rivage et l'installation en eau profonde. Donc le diagramme sur cette diapositive montre la répartition des coûts du système SWAC traditionnel. Et ce qu'on peut voir directement, c'est que les trois secteurs mis en évidence, en relief, donc matériaux et installations en eau profonde et peu profonde, représentent la moitié des coûts CAPEX d'un système SWAC. Et donc, ayant identifié ces secteurs coûteux, Desprofondis et Doris travaillent sur deux innovations technologiques pour réduire les CAPEX d'un système SWAC. Donc, on se concentre notamment sur la réduction des coûts des matériaux et des coûts d'installation. Donc, comme annoncé précédemment, il s'agit d'utiliser un tuyau flexible pour l'eau entrante. Cette technique permet d'économiser sur les coûts de matériaux et est facile à mettre en place, donc réduit aussi par la même occasion les coûts d'installation. Et le système d'auto-enfouissement, lui, vise à réduire les coûts d'installation en approche de zones côtières dans les zones sableuses. Une petite estimation a été faite. Donc, si on combine ces deux innovations sur le même système SWAC, on peut voir sur le diagramme à droite que pour un SWAC tel de 8 km de long, on peut réussir à réduire de 15% les coûts CAPEX. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première innovation dont moi je vais vous parler, c'est l'utilisation d'un tuyau flexible pour le tuyau d'admission du SWAC. Donc, je voudrais préciser qu'il s'agit d'utiliser une matière flexible seulement sur une section du tuyau d'admission pour la raison évidente qu'en eau peu profonde, il y a des fortes sollicitations environnementales qui nécessitent d'enterrer les tuyaux. Je voudrais aussi détailler ce pourquoi l'utilisation d'un tuyau flexible permet une réduction des coûts d'installation. En fait, l'astuce ici, c'est de considérer un tuyau flexible qui, lorsqu'il est vide, peut être enroulé autour d'un tambour, comme on peut le voir sur cette image à droite. Et donc, du coup, cette option de stockage permet une méthode d'assemblage avec le système d'ancrage directement à bord des bateaux d'installation. Et donc, ensuite, l'ensemble tuyau ancrage est
et directement lâché à l'eau. Et donc, ça permet de gagner du temps et donc de raccourcir les temps d'opération en mer, d'installation en mer, excusez-moi. Donc, le projet sur lequel je travaille comporte trois campagnes d'essai. Ces campagnes d'essai, elles ont été menées à Océanide, à la Seyne-sur-Mer, dans le sud de la France. Et l'objectif, c'est essentiellement de fournir des données expérimentales qui vont permettre à la fois de réaliser une étude hydro du système de conduite flexible conçu et surtout de calibrer un modèle numérique afin de disposer d'un outil de prédiction fiable pour ce genre de système. Donc ici, vous avez une explication visuelle de la méthodologie adoptée lors de cette étude. On a effectué un premier design de système de conduite flexible à partir de calculs préliminaires sur le logiciel OrcaFlex et de tests de caractérisation sur le tuyau flexible sélectionné. Donc, le modèle physique à l'échelle 1/20e a été construit selon le plan de préconstruction visible sur l'image du haut. Donc, c'est assez petit, mais en bleu clair, vous avez la conduite flexible qui est représentée et elle est fixée aux deux extrémités ainsi qu'au sol par des élingues d'ancrage. Juste au-dessus, vous avez des élingues de bouée qui relient le tuyau au flotteur cylindrique qui sont représentés en jaune. L'image centrale représente le prototype immergé dans les bassins d'essai. Et la dernière image montre le modèle numérique raffiné sur OrcaFlex. Et quand je dis raffiné, c'est qu'on a modifié le modèle pour correspondre aux modifications qui ont été apportées de par le setup expérimental et pour prendre en compte certaines spécificités imprévues. Donc ici, vous avez quelques résultats représentatifs de la première campagne expérimentale. Donc, sur les graphiques, vous avez notamment globalement, vous avez une comparaison des résultats numériques obtenus par les simulations OrcaFlex avec les résultats expérimentaux qu'on a obtenus grâce aux essais en bassin. Donc, sur les quatre graphes à l'écran, vous avez les lignes pleines qui font référence aux résultats numériques et les lignes en pointillé qui réfèrent aux résultats expérimentaux. Donc, à gauche, vous avez deux graphiques sur les déplacements maximum de la conduite flexible par rapport à sa position de repos. En rouge, c'est les mouvements de translation en X et en bleu, ceux en Z. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur les deux graphiques de mouvements de translation, lorsque la conduite est exposée à une houle régulière, dans ce cas-ci, c'était une houle de hauteur significative de 8 mètres avec une période de 11 secondes, la conduite adopte une forme en U à la fois pour les directions X et Z, ce qui résulte en un mouvement circulaire autour de sa position de repos. Donc on peut voir que dans l'ensemble, le croisement des résultats numériques et expérimentaux est plutôt bon. On a une quasi-superposition pour l'estimation des ordres de grandeur. Donc à droite, vous avez des graphes représentant les signaux de tension pour les élingues. En haut, ce sera les élingues de bouée, donc les élingues qui étaient situées au-dessus de la conduite flexible. Et en bas, c'est les signaux de tension pour les élingues d'ancrage. Donc si on regarde d'abord le graphique du haut, sur les tensions des élingues de bouée, on voit que très simplement, les signaux de tension sont similaires à la forme sinusoïdale de la houle régulière envoyée sur la conduite. Donc on a des petites amplitudes, l'amplitude des oscillations est reproduite par le modèle numérique. Prenez pas en compte la courbe rouge qui relève d'un tensiomètre défectueux sur cet essai-là. Et maintenant, si on s'intéresse aux signaux de tension des élingues d'ancrage, il faut d'abord que je mentionne le fait que pendant les essais en bassin, on a observé que le système conçu pour cette première campagne était hyper statique. Et donc ça, on le voit notamment par la répartition inégale et surtout imprévisible de la tension statique des élingues d'ancrage. Donc si on regarde les résultats numériques, on voit que la tension statique moyenne est identique pour tous les essais, donc elle est à peu près à 19 kN, tandis que si on regarde les essais expérimentaux, les tensions expérimentales oscillent autour de différentes tensions statiques.
Et donc c'est donc un témoin de l'état hyperstatique du système. Donc malgré cet imprévu, le modèle reporte quand même bien l'amplitude des signaux de tension par rapport aux essais en bassin. Donc pour conclure sur cette première campagne, par rapport à la prédictibilité du modèle numérique, surtout, on peut dire que les mouvements de translation sont globalement bien reproduits. Et bien que les signaux de tension soient plus complexes, le modèle numérique réussit à reproduire le motif général du signal de tension et les différentes amplitudes des signaux sont reportées aussi. Notez que sur cette diapositive, je n'ai pas reporté les événements de relâchement assez violents dans les lignes d'ancrage de certains essais, mais le modèle numérique a réussi à les identifier et les reproduire plutôt bien. On a cependant noté une légère surestimation des pics de tension très élevés. Donc en conclusion, on peut dire que la calibration de l'outil numérique a plutôt été limitée par l'hyperstaticité du système conçu. Donc du coup, c'est ce qui nous a mené à la deuxième campagne. Donc l'objectif principal de cette campagne, donc, qui s'est déroulée en octobre 2022, il n'y a pas si longtemps que ça, était de donc, modifier le design de la conduite flexible pour se rapprocher du design final. Donc on a opté pour un design plus réaliste et du coup par la même occasion de s'affranchir des problèmes rencontrés lors de la première campagne liés à l'hyperstaticité du système. Donc, en termes de design plus réaliste, on note trois principaux changements. Donc, cette fois, on a utilisé des systèmes de connexion. Donc, les systèmes de connexion, c'est ce qui permettait de relier les élingues à la conduite flexible. Et cette fois-ci, donc, on a opté pour des systèmes de connexion en sangle souple, ce qui permettait d'éviter un espace libre entre le tuyau et cet objet de connexion. Et pendant la première campagne, ça a posé des soucis de mise en oblique des objets de connexion et donc une inclinaison des élingues. La deuxième modification principale, c'est la libération d'une extrémité du tuyau à laquelle on a ajouté une crépine, car en système d'admission, le tuyau d'admission SWAC nécessite un filtrage. Donc c'est ce qu'on a voulu modéliser ici. Et enfin, on a ajouté des configurations d'ancrage pluriel à tester sur trois configurations différentes. Donc une première configuration avec des poids seuls en dessous de chaque élingue d'ancrage, une configuration avec une chaîne reliant chaque élingue, et enfin une combinaison des deux pour la troisième configuration. Pendant la deuxième campagne, on a aussi voulu s'intéresser à l'étude de l'évolution du système de conduite flexible en présence de hernie. Donc nous, ce qu'on a appelé hernie, c'est une déformation locale de la conduite flexible que vous pouvez voir sur l'image centrale ici. Et en fait, l'idée derrière ces tests, c'était d'estimer si une telle déformation locale était plutôt atténuée sous les effets de la houle, du courant ou même des cycles de pression, ou au contraire accentuée. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tuyau sur lequel on a fait les essais pendant la première et la deuxième campagne avait un comportement mécanique qui nous empêchait d'observer ces hernies, parce que comme on peut le voir sur l'image centrale, en fait, au lieu d'avoir une hernie, on a une cassure qui à la fois n'est pas bon pour le débit qu'on doit maintenir dans un tuyau d'admission et surtout pas modélisable sur le logiciel utilisé. Donc, la troisième et dernière campagne, qui est prévue pour janvier 2022, a pour but d'observer les comportements du système de tuyau flexible avec une hernie. Donc. Et donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un deuxième tuyau qui lui s'allonge sous pression. Et donc, ça va nous permettre donc d'observer ces comportements sous hernie et par la même occasion, surtout, de vérifier la méthode de calibration utilisée jusque-là en la testant sur un autre tuyau.
Par ailleurs, la troisième campagne a aussi pour objectif de regarder les cas d'endommagement, donc c'est-à-dire avec une élingue en moins, que ce soit une élingue d'ancrage ou une élingue de bouée. Et donc l'idée, c'est à la fois d'observer le comportement hydro du prototype en bassin et de vérifier que le modèle numérique construit reproduise bien le comportement observé en bassin. Et pour finir, le comportement du système du tuyau flexible sera aussi étudié sur passage de talus, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à droite. Je laisse maintenant la parole à Hugo pour la présentation de la deuxième innovation. Merci Siam. Donc voilà, je m'appelle Hugo Youssouf-Lacour et je suis ingénieur chez Doris Engineering en recherche et développement. Et donc je vais vous présenter ce deuxième axe de recherche et développement sur le projet ReSWAC en collaboration entre Doris Engineering et De Profundis, qui porte sur le concept, la conception et les tests d'un prototype d'auto-enfouissement de pipeline en eau peu profonde en zone sablonneuse. Donc tout d'abord, pourquoi enfouir le tube SWACK en eau peu profonde? Donc c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des raisons écologiques, parce qu'un obstacle linéaire peut modifier les dépôts sédimentaires, ce qui peut perturber le développement de la végétation des coraux. Deuxièmement, dans le cadre d'un SWACK tropical, l'eau environnante, elle peut contribuer à réchauffer en fait. L'eau pompée dont on souhaite valoriser le froid. Et enfin, ça agit aussi comme protection contre d'éventuelles sollicitations comme les vagues et le courant, mais aussi pour protéger le pipeline des dégradations liées aux activités côtières humaines, comme la pêche au filet ou les bateaux. Si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc la méthode traditionnelle d'enfouissement de pipeline, elle est communément appelée le jetting, et elle consiste à projeter localement des jets d'eau sous pression sous le pipeline pour creuser une tranchée et ainsi l'ensouiller progressivement. Elle fait appel à des engins sous-marins appelés ROV, qui sont voilà, montés sur chenilles et donc qui ont une trajectoire rectiligne. Donc, qui suivent le pipeline et qui ensouillent ce pipeline progressivement. Le problème de cette méthode, c'est que ces engins, ils sont reliés, donc ils sont pilotés via un bateau, enfin depuis un bateau qui est à la surface. Et pour un SWACK, par exemple tropical, où on doit ensouiller une conduite sur 3 km, ça représente plusieurs jours d'ensouillage. Et donc une mobilisation qui est une mobilisation de voilà d'un bateau, de matériel, de personnel qui est extrêmement coûteuse. Et donc c'est de ce constat que ce projet de recherche et développement est né. Et si tu veux passer à la slide suivante. Merci. Donc je vais vous présenter voilà ce concept innovant. Le prototype que l'on souhaite concevoir. Enfin, pardon, que l'on conçoit, il se compose de deux circuits de fluide qui vont être placés sous le tube SWACK sur toute sa longueur. C'est-à-dire que si on veut ensouiller une conduite d'un kilomètre, bah, on aura un réseau de fluide qui fera 1 km sous le tube. Et donc, le premier circuit de fluide, celui qu'on voit en bleu sur les deux schémas du haut, c'est le circuit d'eau sous pression. Donc sur le schéma en haut à gauche, vous pouvez voir deux tubes bleus en dessous du tube SWACK qui sont parallèles. Ces tubes, ils sont percés de petits trous qui sont dirigés vers le sable, ce qui fait que l'eau sous pression, elle va sortir par ces trous, donc sous forme de jets. Ces jets, ils vont créer beaucoup de désordre en fait dans ce sable. Ça va soulever beaucoup de grains de sable dans l'eau. Donc pour éviter que toutes ces particules en suspension elles se redéposent dans la tranchée qui est ainsi creusée, c'est là que le deuxième circuit de fluide intervient, donc un circuit de pompage cette fois d'eau. Donc ce circuit de pompage va être chargé de pomper cette eau sablonneuse, donc ça va permettre d'ensouiller le pipeline. Il est important de noter que cet ensouillage, il est progressif. Il se fait par tranche de 10 mètres.
d'une dizaine de mètres. Et cet ensouillage progressif, il est possible à l'aide d'un réseau de vannes motorisées qui vont permettre en fait d'activer ces deux systèmes de fluides sur des tranches de 10 mètres, puis 10 mètres, puis 10 mètres. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est que ce pilotage, il peut être fait depuis la côte et non sur un bateau, ce qui permet voilà, de réduire le coût d'installation, le coût en mobilisation voilà, du personnel, des bateaux, etc. Et cet ensouillage par tranche, il est aussi possible grâce à la flexibilité du pipeline qui est en PEHD. Et dernière chose, une fois que l'ensouillage est réalisé, il y aura une partie du système d'auto-ensouillage qui sera récupérée, en fait la partie qui n'aura pas été ensouillée. Donc au final, on laisse assez peu de choses dans le sable. Si tu peux changer de slide. Voilà. Du coup, là, ce que je vous montre, c'est... donc là, on passe au prototype que l'on teste, que l'on a conçu et que l'on va tester. C'est un prototype qui fait 18 mètres de long. Il est à l'échelle 1 cinquième, c'est-à-dire qu'on a divisé le diamètre du tube SWAG par 5, qui fait 110 mm de diamètre. Et donc, l'intérêt de le tester sur 18 mètres, c'est qu'on va pouvoir tester son ensouillage par son enfouissement par tranche. Et donc, on le teste dans une tranchée qui fait 20 mètres de long, et donc qui va être remplie d'eau et de sable, du sable à hauteur de 60 cm. Donc, si tu peux lancer la vidéo que je vous, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on voit un processus assez itératif qui permet voilà, d'ensouiller le pipeline progressivement. Voilà. Là, tu peux encore passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer un peu en plus, pour que vous ayez une vision plus concrète du prototype. Donc là, on a des vues en perspective dont la vue à droite est une vue plutôt en dessous, ce qui nous permet de voir les tubes bleus là, d'eau sous pression qui sont percés par lesquels sortent les jets. Et donc ces tubes, ils sont reliés deux à deux à des vannes motorisées, ce qui nous permet voilà, de piloter le prototype depuis un abri, depuis un autre endroit. Quoi. Si tu peux encore passer. Donc là, c'est pareil, même image, mais avec cette fois les buses en fait, qui vont être chargées de pomper le sable fluidifié, enfin l'eau sablonneuse. Et si tu peux encore passer. Je voulais vous montrer aussi toute l'électronique de commande et d'acquisition qui a été faite. D'une part pour donc, commander les vannes motorisées via des relais et aussi plusieurs capteurs embarqués, donc des capteurs de pression et aussi de compression sous le pipeline. Et si tu peux encore passer pour la dernière slide. S'il te plaît. Merci. Et du coup, voici des images assez concrètes du site de test. C'est des tests qui sont toujours en cours. Donc voilà, on peut voir alors au milieu, on peut voir la pompe d'aspiration. À droite, voilà le réseau de câblage d'électronique. Voilà, c'est des tests qui sont toujours en cours, qui sont toujours très intéressants et qui nous permettent de nous confronter au réel en fait. Et voilà, pour affiner notre concept. Voilà. Merci. Merci Hugo, merci Sian. Alors, on a plusieurs questions du coup pour vous. En commençant par celle de David Wari. Comment est gérée la tenue à l'aspiration de cette partie flexible ? Pour Sian, sans doute. Sian, es-tu là ? Alors oui, non, on s'est cancel les mutes. Ça, ça fait pas partie de l'étude. Et moi, je vous répondrai pas aussi bien qu'à mon avis Claire Pérez. Je peux répondre à cette question, Bruno. Si vous voulez.
Je peux répondre à cette question si vous voulez. Bien évidemment, le tube souple sera en pression positive. Et donc, il y a une pompe de gavage qui est à l'extrémité du tube souple et qui permet de le remplir. Ok, merci. On a ensuite Quentin Bessaud. Quel est le diamètre maximal d'une telle conduite maritime flexible? Pour Siano Bruno. Je peux peut-être intervenir, c'est François Thiébault là. Actuellement, la société française Delannoy fabrique des tuyaux en polyuréthane de 50 cm de diamètre, qui suffit pour un grand nombre de swag. Pas tous, bien sûr, mais on peut toujours en poser deux en parallèle. Le coût très faible du tuyau permet de justifier cette utilisation plutôt que du HDPE. D'accord, merci. Ensuite, vous avez une question de... Alors, il y a un écho quelque part. Je me permets de mute les participants. Voilà. Alors, excusez-moi. On était donc à la question de David Friedman. Donc, un tuyau qui s'allonge sous pression. Est-ce à dire qu'il s'agit du rejet et non de l'admission? Alors non, dans ce cas-là, c'est vraiment, on reste sur le tuyau d'admission. Et en fait, le tuyau qu'on a utilisé pour la première et la deuxième campagne, quand on le met sous pression avec de l'eau, on observe une rétractation du tuyau. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est bien le tuyau d'admission. Là, François Thiébault, là, je peux préciser en fait... Le comportement sous pression du tuyau dépend de l'angle d'enroulement des fibres. Et donc, on peut concevoir des tuyaux qui s'allongent et on peut concevoir des tuyaux qui se raccourcissent, en fait. Donc, et en particulier, on peut concevoir des tuyaux avec le bon enroulement des fibres qui n'ont pas d'allongement sous pression. Merci. Question suivante. De Quentin Bessaud à nouveau. Est-ce que donc, le principe d'auto-enfouissement est compatible avec la conduite flexible? Donc, est-ce que les deux technologies présentées, innovations présentées, sont compatibles? Je peux répondre à cette question. A priori, il ne s'agit pas des mêmes sections de tubes. Étant donné que la partie qui doit être ensouillée est la partie qui est la plus proche du rivage, alors que la partie pour laquelle on a le tube flexible, c'est la partie qui est plus éloignée. On pourrait imaginer ensouiller le tube flexible, mais il faudrait faire attention à ne pas mettre trop d'épaisseur de sable, parce que sinon, on aurait un problème de collapse du tube. Mais de toute façon, ce n'est pas sur les mêmes parties. D'accord, merci. Question de David de Wari. Comment seraient gérées les faciès géotechniques hétérogènes? Enfin, des faciès géotechniques hétérogènes avec des passages indurés. Alors, j'imagine que c'est une question par rapport à l'auto-ensouilleur. L'auto-ensouilleur ne fonctionne que sur une géotechnique homogène, que ce soit du sable ou différentes des limons. Oui, ça marche. Pardon? C'est du limon, mais ça marche pas dans l'argile. Oui, tout à fait. Et puis ça marche, bien sûr, ça ne peut pas marcher dans
dans un système où il y a des gros rochers ou du corail. Merci. Autre question de David Friedman. Donc, je crois qu'il y a plusieurs questions. C'est, y a-t-il besoin de deux tubes sous pression jet? Quelle est la pression? Et si pompage, entre parenthèses dragage, y a-t-il un intérêt d'injection d'eau sous pression? Alors, je vais encore répondre à celle-là. Sur nos essais, on a une pression de 6 bars d'injection d'eau. Il n'y a pas de véritable intérêt d'avoir deux tubes sous pression jet, mais comme on fait des essais, on fait des essais avec différentes configurations. Et d'ailleurs, l'essai sur lequel on travaille en ce moment, il n'y en a qu'un seul tube d'injection. Et l'intérêt de l'injection d'eau sous pression, si jamais on aspire, c'est qu'on ne peut pas aspirer du sable compact. Tout ce qu'on sait aspirer, c'est de l'eau sablonneuse. Or, l'aspiration d'eau sablonneuse implique qu'il y ait des jets qui mettent le sable en suspension dans l'eau. Donc, l'importance des jets, c'est de mettre le sable en suspension dans l'eau, et ensuite, l'aspiration va récupérer cette eau sablonneuse. Alors, récupérer cette eau sablonneuse, ça a deux intérêts. Le premier, comme a dit Hugo, c'est d'éviter que ce sable se redépose aux endroits d'où on a réussi à le déloger. Et le deuxième, c'est une raison écologique, c'est d'éviter d'augmenter la turbidité de l'eau, étant donné qu'une augmentation de turbidité peut poser des problèmes à la fois aux coraux et aux différentes algues sous-marines. Ok, merci. Question de monsieur Essa. Alors, les pompes à sable, pas simple en aspiration. Les pompes à sable ne sont pas simples. Je suis désolé, monsieur Essa, si vous voulez bien réécrire votre question. Non, non, je comprends bien cette question parce qu'on y est confronté, on y est confronté vraiment tous les jours. Donc, okay. Bonjour Didier, merci pour ta question qui est évidemment. Alors, Didier Essat est un ancien pompiste, donc évidemment sa question est tout à fait pertinente par rapport aux pompes. Et donc, ce qu'on pompe, c'est pas du sable, c'est de l'eau sablonneuse. Et on a d'ailleurs des problèmes quand il n'y a pas assez d'eau dans ce qu'on pompe, ça pose des problèmes d'aspiration. Et donc c'est pour ça qu'on injecte de l'eau, c'est pour pouvoir aspirer de l'eau sablonneuse. Et donc pas avoir une pompe à sable, mais une pompe à eau chargée. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Didier? Didier, bon. On va dire que oui. On va dire que oui. On va passer à la question Didier, suivante. Si je n'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à préciser. Donc, question suivante, c'est pour les ancrages. Une question de Anne-Laure Cardo. Pour les ancrages, quelles sont les dimensions des élingues et des chaînes envisagées? Bruno? Peut-être. Alors, pour moi, c'est une question pour Sian. D'accord. Alors, je n'ai pas une réponse complète à apporter, étant donné que nous, on fait une étude plutôt pour calibrer un outil numérique et que l'échelle 1 avec laquelle je travaille ne correspond pas à l'échelle réelle. Bruno, tu as peut-être plus d'informations à. François, tu as peut-être plus d'informations à apporter là-dessus. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous pouvez la reformuler? Alors. Ok, donc question suivante. Pour les tubes auto-ensouillés, à quelle profondeur d'ensouillement sont
Quelle profondeur d'ensoulement sont envisagées et quelle épaisseur de sable minimale serait requise? La profondeur d'ensouillement, c'est entre 2 et 3 diamètres du tube de sable au-dessus du tube. Et donc, l'épaisseur de sable, elle se calcule comme ça à partir du diamètre du tube. Étant donné que dans un environnement. Dans un environnement tropical, on va avoir des problématiques de. Je vais pas y arriver. On va avoir des problématiques de tempêtes tropicales qui peuvent déplacer des grandes hauteurs de et donc cette profondeur d'ensouillement devra être mise à jour en fonction de ce qu'on sait des déplacements de sédiments dans la zone dans laquelle on doit ensouiller. A priori, c'est la même profondeur que celle qu'on pourrait obtenir avec une autre méthode. Le Oui. principe d'auto-ensouillage a pour fonction de remplacer la méthode normale. Donc, typiquement, dans du sable, on mettrait un diamètre au-dessus du pipe. Merci François et Bruno. Question de Kahn Sanjivi qui a présenté avant. Le domaine d'application de cette conduite souple lui semble réduit. Avez-vous des données économiques justifiant un tel choix? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas utilisé. Ceci dit, les tubes souples sont utilisés à terre dans plein d'applications et j'en citerai qu'une pour donner un exemple. Dans l'exploitation du gaz de schiste, on a besoin de beaucoup d'eau et cette eau n'est pas disponible à l'endroit du forage, donc on la mène dans les champs en pompant dans un tuyau flexible, typiquement un tuyau de 10 pouces de 30-40 cm. À haute pression. Enfin, c'est des pressions qui peuvent aller jusqu'à 25 bars. Hein. Et ces tuyaux-là sont utilisés depuis longtemps et de façon très importante. Donc, ça n'est pas utilisé pour l'instant offshore, mais il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas l'être, étant donné que ce sont des tuyaux très solides et qui sont complètement qualifiés pour cette application. Et la tenue du polyuréthane dans l'eau n'a pas à être démontrée, à mon avis. Merci J'espère avoir François. répondu à la question. Pense que oui. Et dernière question, ensuite on passera à la table ronde. Alors, il y a deux questions. D'abord, dernière question pour ces présentations-là, de David Friedman. La pompe de gavage implique l'installation d'alimentation. Enfin, c'est une question. Est-ce que la pompe de gavage implique l'installation d'alimentation électrique en puissance? Alors oui, bien évidemment, la pompe de gavage implique l'installation d'une alimentation électrique. Au niveau de la puissance, sur les calculs qu'on avait faits, on avait vu qu'une pompe de gavage qui représentait un tiers de la puissance avec une pompe principale immergée à 30 mètres de profondeur permettait de maintenir le tube en pression positive. Mais c'est sûr. Un exemple précis. Maintenant, sur chaque installation, ce sera différent. D'accord, merci Bruno. Et donc du coup, dernière question. Anne-Caroline, est-ce que tu es toujours là? Donc c'était une question qui t'était destinée. On était passé rapidement à la présentation suivante. Je suis là. Ok, c'était quelle serait la zone, enfin la distance de zone de pompage en mer pour la Manche? Distance à la côte, je suppose. Anne-Caroline, si tu veux, je peux répondre. Avec grand plaisir, Bruno. Étant donné que dans notre zone, dans la zone de la Manche, étant donné que l'eau est extrêmement mêlée, on voit qu'entre
aller chercher l'eau à 20 mètres de profondeur ou aller la chercher au bord, on a à peu près un demi-degré de différence. Donc c'est pas sur la température de l'eau qu'on va se baser, mais sur on va essayer de trouver un endroit où on pourra installer notre crépine d'aspiration et qui soit pas trop gêné par les fortes houles ou les courants. Et donc on va aller pomper l'eau autour de 10 mètres de profondeur pour être dans une zone qui est moins secouée que si on va la chercher plus haut. D'accord, merci Bruno. Donc maintenant on va passer à la table ronde.